Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour et bienvenue sur Glisshop.com, je suis Arnaud, conseiller snowboard. Dans cette vidéo, on va parler de la Ride Helix, qui est un des chaps les plus particuliers de la gamme Ride. C'est la remplaçante de la DH, pour ceux qui connaissent, c'était une des boards référence de la gamme Ride depuis des années, pour les freestylers de haut niveau ou les riders qui aiment les boards vraiment pêchus et twin tip, c'était vraiment la référence. Donc voilà, ils arrivent avec ce plateau qui est un chep vraiment bizarre, taillé à la hache, mais qui est vraiment qui a son intérêt. Ils ont fait un chep qui est asymétrique, donc ça reste une twin. Si on coupe la planche en deux, elle est vraiment twin tip, on est centré dessus, il n'y a pas de différence entre le nose et le tail. Donc c'est au niveau des lignes de côte qu'il y a du changement et que le chep est vraiment asymétrique. La carrière et la caravane ne sont pas tendues de la même manière. En général, on a moins de puissance sur ses talons. Donc ils ont vraiment tendu beaucoup plus la carre arrière pour avoir des appuis beaucoup plus puissants et beaucoup plus précis. Ce qui ne change rien après au comportement général de la board. Par contre, il faut bien faire attention quand on va monter cette planche. Il y a écrit left foot et right foot. Qu'on soit goofier ou régulier, il faut bien monter dans le bon sens la board pour avoir la ligne de côte justement sur les talons et sur les pointes de pied. Sinon, le rendu va pas être le bon. Ensuite, ils ont conservé vraiment la caractéristique principale de la DH, c'est-à-dire une board puissante, pêchue, qui va avoir de l'accroche. Pour les riders qui veulent vraiment une board technique et qui ne va pas les lâcher à haute vitesse, on peut rider du gros kicker. Voilà, pour les freestylers vraiment avancés, elle garde le même comportement. Par contre, ce qui va faire son avantage et ce qui la rend un peu plus moderne dans le chep, c'est qu'ils ont placé des petites zones de rocker au nose et au tail qui vont rendre déjà la board un tout petit peu plus polyvalente puisqu'elle va sortir avec un peu moins d'effort en poudreuse. Ça va la rendre un petit peu meilleure en backcountry. Et deuxièmement, ils conservent le cambre entre les pieds pour avoir vraiment du pop, de la stabilité et de l'accroche. Donc voilà pour cette board. Si vous avez besoin de plus de précision concernant ce chep, ce plateau en particulier, ou n'importe quel board de la gamme Ride, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 04 73 26 98 47, soit par mail à snow@glisshop.com. Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet.